tête. Il tient tout seul. Ok. Je peux pas faire ça avec les ciseaux, t'inquiète pas. Elle est jolie. Ouais. Ouais, je crois que on fasse attention dans les prochains jours quand il y aura les 15 en plein milieu, on risque de tout faire tomber. Oui. Ouais. C'est une chaîne pour le colis. Ouais. Tu vas la mettre dans ton petit meuble, dans ton petit rangement. Allez, vas-y. T'as mis tes chaussures? Vas-y, chouchou. Ben, descends, pourquoi tu veux te mettre ça? C'est pas dans le bon sens. Pousse-toi, Noé, s'il te plaît. Sinon, on peut pas ouvrir. Maman? Oui. On est le 8. Je sais pas. Pour l'instant, il faut chercher le 8 aujourd'hui. Il est où le 8? Là. Bah non, si c'est un 6, il est déjà ouvert. Tu sais à quoi il ressemble le 8? Regarde, il est là. Je crois que tu trouves pas. Ah. Allez, vas-y. Ah. Ça sent pas de faire mal au dos. Alors, qu'est-ce que tu as? Oh, c'est encore un truc de décoration? Trop nul. Ce sont des petits cadeaux. Regarde, regarde. Ce sont des petits cadeaux. Pour décorer. Des petits cadeaux. Ouais. C'est pas drôle hein, quand on n'a pas de. C'est mieux quand on a un Pokémon. Hein. Non? T'es pas trop déçu? Non, un Pikachu, c'est dans quel crâne? Bah, je sais pas. C'est une surprise. Alors, monsieur, attends. C'est dans l'autre sens, monsieur. Prends-toi l'envers. Le 8. Le 8, le 8, il est là, regarde. C'est le petit bonhomme de pain d'épices. Ça. Tu ne fais le coup à chaque fois. Vas-y, tire. On va pas tout faire à ta place. Oh, whist. Oh, whist. Allez. Tu veux lui ouvrir, Maddy? Maman devait aider Noé. Vas-y, c'est gentil. Voilà. Tu as eu le tête, ton frère. C'est quoi? Je sais pas. Il est jaune. Oh. C'est rigolo. C'est un petit canard. On l'ouvre. Maman, il va déjà ouvrir. Regarde là. Regarde, Noé. Ici. Mais, ah. Là, regarde. Il c'est ici. Voilà, t'as trouvé le trou. Allez. Bah, lâche l'autre morceau, l'autre main, lâche l'autre main. Prends avec une seule main. Moi, je tiens le sachet. Vas-y, tire le petit truc. Voilà, on va y arriver. Il est rigolo, ton petit canard jaune. Oui. Tu es content? Oui. Tu vas le ranger avec les autres? Moi, je suis content. Toi aussi, t'es content? Tu veux que je les ouvre, tes petits cadeaux? Petit cadeau, c'est content. Tu veux t'asseoir? Mais sur le canapé, tu peux te mettre sur le tapis même. Sur le canapé, il y a les garçons. Alors, le 8. Il y a 7 et le 8. Là. Elle est grande? Oui. Ah ouais. Pas de faire mal en haut ou des ongles. Ils vont plus ressembler à rien du tout quand il y a la fin du mois. C'est sûr. Vas-y. Attention pas à ouvrir celle d'en dessous après. Que c'est? Alors regarde.
On va regarder en dessous. Shimmer Cream. Nevis, t'as le petit pinceau? Oui. Je pense que c'est des petites ombres à poupe. Enfin, c'est du blush. Soit à mettre sur tes yeux, soit à mettre sur tes joues. Wow. Bon, joli en forme de petit cœur comme ça. Ouais, par contre, t'as petit truc qui ne tient pas dessus. Tu pourras mettre de la colle si tu veux. Oui, par contre, donc, je sais comment on fait pour. Bah, en avis, ça s'ouvre par-dessus. Portière. C'est pas un couvercle. Aussi. En tout cas, c'est trop bizarre. Elles ont le jus. Jolie couleur. Et t'as le pinceau qui va avec. Oui. Très bien. Contente? Oui. T'as quand même, je vais quand même enlever le 7 puisque j'ai déjà eu. Tu peux le laisser? C'est quand même plus joli. Oui. Maintenant, il y a des gros trous pour celle-là. Pour celle jaune. Calmez-vous. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Donc, nous en sommes au jeudi 8 décembre. Donc j'ouvre mon calendrier. Bon, la luminosité n'est pas ouf ce matin. Il fait tout gris chez moi. Enfin, j'imagine que chez vous aussi. Alors les 8, je l'avais vu hier. Il est là. Le 8. La microalgue oxygénante pour une peau parfaitement nettoyée et rafraîchie. Bon bah j'imagine que c'est sûrement un gel nettoyant. Elle n'existe plus depuis longtemps. Pure Algue, le gel nettoyant ultra fraîcheur. Peau normale à mix. Donc là, c'est un contenant de 30 ml. Alors ça, c'est quelque chose que j'ai acheté il y a quelques années. Alors pas de cette marque, pas de la marque Yves Rocher, mais j'avais commencé quand j'étais adolescente avec la marque Nivea. Et après, j'étais tout de suite passée... à la marque au distributeur Leclerc qui était exactement la même chose et j'en étais très contente et sauf que maintenant je suis passée au savon nettoyant solide pour le visage mais là c'est un petit contenant et je pense que ça me fera quand même très plaisir de l'utiliser donc ça va être le même parfum que je pense la jolie enfin l'eau micellaire ouais c'est le même parfum ça sent bon, ça sent le frais. Être très agréable à utiliser, donc ça je vais l'utiliser. En plus là j'ai mon savon nettoyant pour le visage qui est bientôt terminé, donc juste après j'utiliserai celui-ci. Voilà voilà. Je remets la petite boîte et voilà, comme ça il est tout beau. Donc avant-hier on a parlé des cadeaux. Pour les pré-ados dans un bon garçon. Hier, je vous ai parlé des cadeaux pour les filles entre 8 et 10 ans. Et donc aujourd'hui, je vous avais dit que je vous parlerai de cadeaux pour les plus petits, notamment les garçons vers entre 2 et 4 ans qui correspondent aux âges de mes deux garçons. Ils ont 2 ans et demi et 4 ans et demi, donc c'est pareil. Il faut savoir qu'ils jouent énormément tous les deux. En fait, le plus petit n'a pas de jouet propre à lui-même parce qu'en fait, il joue avec les jouets de son frère. Il a toujours besoin de quelqu'un pour jouer, ils sont inséparables. Et mon fils de 4 ans joue énormément, mais vraiment, il est tout le temps en train de jouer. Il n'est jamais en panne d'aspiration, donc ça c'est cool. Il a beaucoup récupéré de jouets de son grand frère, mais aussi même de ses sœurs. Notamment tout ce qui est voiture, il avait récupéré toute celle de son frère. Les Lego, pareil. Les Playmobil aussi, même si le grand n'avait pas beaucoup, mais il a récupéré aussi ceux des filles. Donc il a déjà beaucoup de jouets et en même temps c'est quelqu'un qui réclame tout le temps quand même des nouveaux jouets. Par exemple il a demandé le nouveau Pat Patrouilleur, alors qu'il en a eu un son anniversaire mais apparemment il y en a un qui est encore plus gros, plus beau et tout et tout. je ne vois pas quelle est la différence mais bon il en a un donc il n'en aura pas un nouveau, on verra peut-être à son anniversaire prochain. Quand son petit frère, à son anniversaire, avait eu un camion de pompier Playmobil, il avait voulu exactement le même. Bon, ils se sont battus, mais finalement, maintenant, ça va mieux. Donc mon fils de 4 ans, dès qu'il voit quelque chose, il a tendance à le vouloir. Et nous le demander très, très, très souvent. C'est pas juste un truc qui lui passe par la tête et après, ça lui passe. Non, non. Il s'en souvient très, 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 très longtemps.
Donc là, ces derniers temps, bah, comme il savait que Noël arrivait, il m'a demandé beaucoup, beaucoup de choses. En même temps, je m'y attendais parce que, comme je vous dis, hein, il nous réclame toujours les mêmes choses. Donc, à force, on sait très bien ce qu'il aime, ce avec quoi il aime jouer. Alors, je vous ai dit, il a beaucoup, beaucoup de voitures, notamment des petites voitures. Il en a une pleine caisse. Et il joue la plupart du temps avec toutes. Alors, des fois, ça va être avec les grosses, des fois, ça va être avec les petites. Il a toujours plein d'idées. Et par contre, j'ai quand même réussi à trouver un truc sympa pour Noël. J'ai vu qu'il existait un circuit Mario Kart Hot Wheels. Il y en a même deux. Il y en a un en forme de 8 et un autre avec des cascades. Donc je leur ai pris celui en forme de 8. Et il y a deux voitures déjà. Je crois que ça va être Mario et quelqu'un d'autre, je ne sais plus. Et je leur ai pris en plus un pack de 4 véhicules avec 4 autres personnages de Mario Kart. Donc c'est un commun pour les deux petits parce que je peux apprendre. Ils vont jouer tous les deux avec, ils vont toujours tous les deux vouloir jouer avec. Donc c'est un commun, un cadeau commun pour les deux. Ce sont des fans des voitures, donc je leur ai pris aussi un volant avec un cockpit. En fait, vous avez le siège plus le volant tout attaché. Ou on peut même mettre un smartphone si on veut, je sais pas à quoi ça sert, mais moi je vais pas leur mettre avec le smartphone. Mais du coup ils vont pouvoir s'amuser à faire semblant de conduire une voiture parce qu'ils vont avoir ça. Il y a quelques semaines aussi ils ont commencé à s'intéresser aux Pokémon. Donc je leur ai pris chacun une ceinture Pokémon avec deux Pokéballs chacun. Voilà, normalement ce ne sont pas les mêmes, donc on pourra jouer à ça. Qu'est-ce qu'ils avaient demandé d'autre? Le plus petit, il ne demande de rien. Et honnêtement, j'avais très peu d'idées pour lui tout seul. Parce que comme je vous disais, il a déjà 4 grands frères et sœurs, donc il y a beaucoup de jouets qu'il a récupérés. Et s'il y a des choses qu'il aime, avec lesquelles il aime beaucoup beaucoup jouer, ce sont les Playmobil. Alors toutes sortes de Playmobil, mais moins les Playmobil 1, 2, 3. Les Playmobil 1, 2, 3, il a du mal à les mettre debout, à les mettre assis, ils sont quand même assez durs. Du coup, il préfère les autres. Donc voilà, notamment, il adore le camping-car Playmobil, il adore la voiture de police Playmobil, le camion de pompier aussi. Donc c'est des petits trucs comme ça. Ils aiment beaucoup, beaucoup jouer à ça. Ils aiment aussi beaucoup jouer au Lego. Pareil, surtout avec les véhicules et les personnages. Ils font quand même pas mal de choses, ils mélangent beaucoup les Playmobil et les Lego d'ailleurs quand ils jouent. Qu'est-ce que j'aurais pris d'autre? Ah oui, cet été quand on est allé à la plage, il y avait un monsieur qui avait construit un circuit de billes avec du sable. Donc ils avaient fait un château, un gros château mais avec un circuit de billes par-dessus. Et mon fils avait vu ça, il était impressionné, il avait adoré. Le monsieur lui avait donné des billes pour qu'il puisse jouer dessus et franchement il avait adoré, il avait même après pu garder les billes. Et on s'est dit que ça pouvait être un bon cadeau de Noël, ça. Bon, au début, j'avais un petit peu peur parce qu'ils sont quand même petits, donc j'avais peur qu'ils les mettent à leur bouche. Et là, j'ai trouvé un circuit de billes de la marque VTEC, Marble Rush. Et y a les billes m'ont l'air plus grosses. Et il y a des billes à acheter en plus. Et du coup, ça, je lui en ai pris un. Je pense que ça va beaucoup l'amuser. Et en plus, ça permet de faire travailler l'adresse, l'agilité. Alors, ils ont un circuit de voiture tutu bolide, mais franchement que j'aime pas trop parce que c'est pas vraiment un circuit, il est trop court en fait. Et ils jouent peu aveugle. Bon, ces derniers temps, ils ont rejoué avec, mais je pense qu'il va finir sur Vinted parce que ça prend trop de place pour ce que c'est. Ils avaient avant, mon fils aîné avait un grand garage tout en hauteur et il se cassait tout le temps, il fallait toujours le remonter, c'est quand même très pénible, donc ça on n'en a pas racheté pour les plus petits, même si je pense qu'ils aimeraient bien jouer avec, mais c'est compliqué à monter et ça se déboîte tout le temps, donc c'est fatigant. Mais à la place du coup j'ai pris pour mon fils de 4 ans un circuit de voiture, mais qui n'est pas un grand circuit. En fait c'est assez, je sais pas, ça doit faire 30 cm sur 30 cm, où en fait il y a un circuit et avec des obstacles et avec des boutons et des manettes. Il faut trouver la bonne manette, le bon bouton pour faire par exemple monter quelque chose ou tourner une plateforme pour que la voiture puisse aller d'un point A à un point B. Donc ça, je vais trouver ça très sympa, donc je leur ai pris ça.
Voilà, donc ce circuit-là, j'ai trouvé ça très intéressant. Bah, ça fait travailler les méninges, donc ça va être assez intéressant. En plus, il est très... il aime beaucoup résoudre des problèmes, il est très attentif, il regarde tout. Quand il a des voitures, l'année dernière il a eu un set de voitures à construire lui-même, et il aime beaucoup redémonter, remonter, voir comment ça marche et tout ça, donc ça va l'intéresser. Et quoi d'autre? Je crois que c'est tout ce que j'ai pris pour eux, ce qui est déjà pas mal. Ça me semble être... ça, ouais, je crois. Après, ce qui est bien aussi pour cet âge là c'est tout ce qui est activité manuelle, tout ce qui est pâte à modeler, coloriage et tout ça. Bon, moi j'en achète pas parce qu'on a déjà tout ce qu'il faut à la maison. Après, ils aiment vraiment tout ce qui est Playmobil à cet âge là même les animaux, tout ce qui est véhicule et tout ça, c'est vraiment intéressant pour eux. Des livres, je leur ai pas racheté cette année parce qu'il y en a déjà tellement à la maison que, que ça prend de la place, donc on ralentit un petit peu là-dessus. Après, il y a tout ce qui est vélo, trottinette aussi qui est intéressant. Là, nous, on va attendre plutôt le printemps pour renouveler ça. Peut-être pas pour la trottinette, parce que là, la trottinette de mon fils de 4 ans, elle s'est cassée il y a à peu près 2 semaines. Ils ont joué, ils ont un petit peu fait les fous, et comme c'était une vieille trottinette en plastique, ils sont tombés dessus et elle s'est cassée. Donc là, ils peuvent plus jouer avec parce que c'est dangereux. Donc je pense que je vais aller leur acheter une parce que c'est un truc avec lequel ils jouent presque tous les jours quand même. Donc là, ils doivent se partager une draisienne pour deux, donc c'est moins cool. Donc je pense que je vais lui racheter quand même une trottinette, mais ça ne fera pas partie des jouets de Noël, ce sera des jouets de tous les jours, quoi. Donc voilà, voilà les petites choses que j'ai pensées pour eux. Les choses que vous pourriez acheter également, et j'essaierai de vous les mettre en barre d'infos. Je crois que tout ce que j'ai vu, j'ai vu sur Amazon, c'est plus facile après pour vous mettre les liens. Et donc voilà, donc n'hésitez pas à me dire vous ce que vous allez offrir à vos enfants en commentaire. Et là on est jeudi. Donc là, je vais clôturer le vlog maintenant. Demain, ça sera à mon avis très rapide, le vlog. Parce que ce soir, j'ai un rendez-vous. Demain, j'ai encore 2 rendez-vous. Donc je pense pas avoir le temps de filmer quoi que ce soit. Donc ce sera juste l'ouverture des calendriers. Après, on va tomber sur samedi et dimanche ou pareil. Bah, en général, vous avez juste l'ouverture des calendriers. Je garde mon temps pour mes enfants et mon mari. Et bah après, à partir de lundi, je vous ferai peut-être des petites vidéos à thème. Notamment, je vous parlerai peut-être un petit peu des idées cadeaux pour les adultes qu'on peut faire. Soit des trucs faits main, soit d'occasion et des choses comme ça. Je pense que je vous ferai peut-être une vidéo sur mardi, sur ce que je prévois de faire pour le repas de Noël. Ça pourrait être sympa de partager les idées aussi. Et donc voilà, hier soir j'ai fini le livre sur les chats de Merlin Verber. Dernier, je crois que c'est La planète des chats. Oui. Donc j'ai terminé hier soir, il me restait vraiment quelques pages à finir. Donc il faudra que je fasse aussi la vidéo pour ça. Et du coup là j'en ai commencé un nouveau et j'avais envie, en décembre j'avais envie de lire un livre de Noël, une romance de Noël. Donc là j'ai trouvé une série de 4 livres. Et là le premier, je crois que ça s'appelle le câlin de Noël. Bah, apparemment c'est vraiment très très romance feel good, donc tout ce dont on a besoin au mois de décembre, donc ça sera très très bien. Mais en tout cas le livre pour l'instant est sympa. Bon, j'ai lu que quelques pages, j'ai commencé à peine hier soir, et donc voilà. Bon bah, j'espère que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie, et je vous dis dès demain pour l'ouverture des calendriers.